Bonjour, nous nous retrouvons pour évoquer la semaine écoulée au Conseil départemental et dans la Nièvre, comme à chaque rendez-vous, c'est des moments assez denses et importants. Une réunion fondamentale sur la question de l'eau s'est tenue à la ferme du Marot. Nous avons pu évoquer de concert avec le préfet la nécessité de s'organiser dans le cadre de ce qu'on appelle un transfert de compétences, c'est-à-dire une nouvelle organisation au fond de la gestion de l'eau qui est prévue pour le début de l'année 2026. C'est une occasion à saisir pour que chaque Nivernais se saisisse de cette question qui est fondamentale, à la fois sur la qualité de l'eau, le prix de l'eau, l'écosystème qui existe autour et qui doit s'améliorer dans notre département. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer le nouveau président de la Fédération nationale du bâtiment dans notre département. C'est un partenaire essentiel du Conseil départemental et je rappelle à cet égard que les aides que le département attribue chaque année permettent de réaliser dans notre territoire, dans la Nièvre, plus de 300 millions d'euros de travaux. C'est absolument fondamental. C'était aussi évidemment la visite traditionnelle au Salon de l'Agriculture. Après les semaines compliquées et difficiles que nous avons vécues aux côtés de la profession, il y a ce moment où l'excellence nivernaise, comme chaque année, fait rayonner notre territoire partout en France, même au niveau mondial. Nous le savons avec ce fameux taureau redoutable qui a fait la joie des réseaux sociaux dans tout notre département. On en a évidemment profité pour travailler. Le Conseil départemental, vous le savez, intervient autour des abattoirs de Corbigny, de Cône. Il a soutenu la fermille à Saint-Benin-d'Azy. Nous avons mobilisé des moyens. C'est chaque année 2 millions d'euros que le département consacre à l'agriculture dans notre département. Et enfin, pour se mettre en jambe sur ce printemps qui tarde un peu à arriver, nous avons encore une fois travaillé avec l'USON, qui est une fierté de notre département, quelque part l'image de notre territoire à la télévision, dans le cœur des supporters et des Nivernais, pour essayer d'avancer sur le projet de stade. Si l'on veut atteindre le top 14, il faut investir à l'USON. Le département sera présent aux côtés de Régis Dumanche pour que cette fierté nivernaise gagne et gagne.